sur la chaîne de Monkey EDC. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, au pied d'un barrage d'eau douce, qui est donc un barrage qui sert pour pouvoir filtrer l'eau. C'est de l'eau qui va être filtrée, qui va devenir donc l'eau potable de la commune voisine. Nous sommes ici, pas très loin d'un GR qui rejoint Autun et puis Digoin, donc qui sont deux communes distinctes l'une de l'autre du département de Bourgogne, en Saône-et-Loire. Enfin, plutôt du département de Saône-et-Loire en Bourgogne. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Présentation aujourd'hui donc du Helicontech courrier médium. Donc là, on est sur la version la plus petite des deux. Donc c'est un sac que j'utilise, donc comme vous avez pu voir sur mes vidéos précédentes, pour ceux qui me suivent. J'ai un sac à dos Helicontech, le sac à dos EDC, que j'utilise lui plutôt pour les sorties nature, loisirs, voilà, lorsque je fais une petite randonnée ou que je vais aller visiter des monuments ou des choses comme ça. Et donc celui-là est plus utilisé maintenant pour cet été 2021, plutôt dans un domaine EDC, urbain, voire même professionnel, voilà. Donc vous savez que je suis plutôt attiré par les sacoches Messenger, donc ce qui est le cas de celle-ci, hein, qui est une des sacoches les plus typiques de chez Helicontech, que l'on trouve pour un tarif tout à fait raisonnable. Voilà, donc avec une diversité et une versatilité assez intéressante. Pourquoi je suis parti sur ce sac-là? Parce que tout de suite, vous allez pouvoir constater que par rapport au sac à dos Helicontech EDC, le Light que j'ai, en fait, les configurations sont les mêmes. C'est-à-dire que l'on peut utiliser ces fameux patchs scratchables à l'intérieur d'un sac à un sac. Donc vous voyez, vous allez vous retrouver avec à l'intérieur un système de molle, enfin pas un système molle, un système velcro qui permet donc de patcher. Alors voilà, voilà ces petits organisateurs EDC dans lesquels on va pouvoir y mettre des items divers et multiples et pouvoir donc organiser à l'intérieur donc des patchs comme ça pour pouvoir agencer l'intérieur de son sac. Alors au niveau de la configuration, donc on a un système de rabat ici, donc bien sûr avec une partie velcro où l'on peut mettre des moral patch ou des choses comme ça. Donc bah, j'ai mis simplement celui de ma chaîne. Donc je l'ai en deux versions, un dans le sac à dos EDC et un sur celui-là, sur le courrier. J'ai rajouté donc ceci bah, pour faire un petit rappel sur ma chaîne. Hein, et puis donc, comme c'est un produit que j'utilise lorsque je me déplace souvent en moto, mais pas que. Donc, bien sûr, j'ai rajouté un dérivé du logo de ma chaîne en version motard. Alors, à l'intérieur, enfin tout de suite là, en partie à l'avant, donc on va retrouver ce grand panel là où on peut donc scratcher les choses. Hein, donc même on peut scratcher ceci si on désire. Les fermetures sont bien sûr en YKK, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là en termes de fiabilité. Ici, les petits dragons, comme vous pouvez voir, sont assez, voilà, sont renforcés avec une partie caoutchouteuse pour apporter un meilleur grip lorsqu'on pourra l'utiliser. Et donc, lorsqu'on fait une ouverture ici, on va accéder donc à une partie fourre-tout. Où en fait ben, je vais y mettre justement ben, fourre-tout en fait, hein. Donc c'est assez intéressant au niveau de ce sac, ça permet comme vous avez pu voir sur les images avant, de le basculer à l'avant et d'accéder rapidement à quelque chose si vous avez besoin d'accéder à quelque chose. Il est ici donc fixé avec des systèmes d'attache et en plus par sécurité il y a même un panel, vous voyez ici là, de velcro de chaque côté avec des parties ici scratch. Et donc, ce qui permet simplement, en le laissant tomber dessus, ça se verrouille, ça ne s'ouvre pas. On peut simplement que rajouter ceci si on le désire. Donc, à la partie à l'avant, une grande poche qui se zippe des deux côtés. Toujours en fermeture YKK. Et donc, à l'intérieur, comme je vous expliquais, un panel, vous voyez, de cette partie femelle du velcro, où on peut donc y venir y coacher les patchs, comme que je vous ai montré. Et donc, voilà, bah, vous y rentrez et... Voilà, vous collez ça directement, tout simplement.
Ici, une petite lanière où on peut y accrocher des clés ou des choses comme ça pour un accès rapide à la partie à l'avant. Certains y mettent même ici, vous voyez, accrochent un système de dérouleur pour avoir les clés attachées au bout d'une ficelle pour pouvoir les dérouler. Moi, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, je peux aussi le mettre en application. De chaque côté, donc, on va avoir sur la partie extérieure des grandes poches soufflées qui peuvent contenir largement une bouteille d'algène sans aucun souci. Hein, c'est très extensible, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pour moi, j'y ai mis juste une petite flasque d'eau. Celle-ci fait 40 ml, si j'ai bon souvenir. Voilà, ce qui suffit largement pour... On peut le recharger assez régulièrement, mais bon, si jamais j'ai des sorties plus longues, je peux mettre des bouteilles d'eau beaucoup plus grandes. À la partie donc à l'avant, à l'intérieur du sac, comme vous pouvez voir, de chaque côté ici, on va avoir la même chose, donc la possibilité d'y glisser une bouteille, un parapluie ou dans le même principe que la sacoche Bushcraft qu'ils font chez Helicontech. On peut y mettre par exemple son nécessaire de cuisine à l'intérieur, là d'un côté ou de l'autre, c'est tout à fait faisable, ou des bouteilles d'eau. Et donc la poche est la même chose à l'intérieur avec un revêtement dans lequel on peut scratcher les pochettes multiples et diverses que propose Helicontech en variant pour pouvoir organiser à l'intérieur son sac vraiment comme on le souhaite. Et vous voyez donc la contenance. Donc là, je vous en parlerai sur une autre vidéo. C'est une nouvelle pochette dont j'ai fait l'acquisition. En fait, c'est une tech poche qu'ils appellent. Donc, c'est une pochette dans laquelle je mets tout ce qui est la partie technologique. C'est de la marque Amazon. Voilà, c'est dans le même moule que les Peak Design ou toutes ces sacoches-là, Belroy, proposées. Donc là, par contre, c'est un tarif tout à fait abordable, mais je vous en reparlerai sur une autre vidéo. À la partie à l'intérieur ici, donc il y a sur toute la longueur un filet mèche, voilà, où on peut y glisser, bien sûr, d'autres affaires si l'on désire. Et puis, donc, à la partie à l'arrière ici, tenue par un velcro, un système donc de pochettes renforcées, avec une partie mousse un petit peu néoprène qui permet donc de protéger les appareils électroniques que l'on désire transporter. Donc ben, moi j'ai un iPad bien sûr, puis un carnet, voilà. Vous connaissez plus ou moins la configuration de mes EDC. On peut largement y glisser un 13 voire même un 15 pouces sans aucun souci hein, dans cette version là, même si c'est la version médium, la plus petite des deux, il y a quand même une très très grosse contenance. On doit se rapprocher pas loin des entre 15 et 20 litres. Hein. Sur ce genre de produit. Et donc à la partie à l'arrière, hop. Donc même chose, sur toute la longueur ici, là, sur toute la grandeur, on a une grande poche. Même chose avec un revêtement ici velcro. Alors les Américains sont assez friands de cette poche là. En fait c'est celle dans laquelle ils vont mettre leur holster pour accès rapide. Donc ils le basculent à l'avant et puis ils sortent leurs armes comme ça directement. Bon ici en France bien sûr, à part de faire partie des forces de l'ordre, vous n'avez pas le droit de porter une arme. Mais donc vous pouvez très bien y organiser un kit de secours, un trauma kit. Vous pouvez y mettre en version velcro un garrot T4 dedans. Enfin, sans aucun souci, hein, voilà. Et alors donc le sac est fourni avec cette petite lanière qui se rajoute donc d'un côté, donc ici vous avez quatre fixations différentes et vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre avec leur petit système, vous voyez, de crochet, ce qui permet d'apporter une lanière supplémentaire, vous voyez, avec un système de clip pour pouvoir, donc vous voyez, de ce côté là ou de ce côté là pour pouvoir donc vous ceinturer la sacoche à l'arrière afin de la maintenir si jamais vous avez un souci de ce côté-là. Et ça apporte un maintien supplémentaire. Moi, je ne la mets pas systématiquement. Alors, en moto, des fois, ça m'arrive lorsque je veux que le sac reste dans mon dos et qu'il ne se balade pas sur le côté lorsque je freine. Mais donc, effectivement, ça vous permet de vous la ceinturer autour de la taille et donc d'apporter un maintien supplémentaire.
Alors, au niveau du tissu, là, on est sur du Gotura, hein, c'est marqué ici, il n'y a aucun souci. Par contre, on doit être sur du 600, j'imagine, hein, on n'est pas sur du 1000 deniers, ça reste... Alors, il est, au niveau du tissu, il est quand même beaucoup plus rigide que le sac EDC Light. Mais bon, on n'est pas non plus sur du 1000 deniers. Hein, mais la construction, elle, est très, très bien finie. Il n'y a aucun problème avec les produits Helicontech. Voilà, ça passe à la machine à laver. Enfin, bon, vous n'avez vraiment aucun souci de ce côté-là. Hein. Alors, il existe bien sûr en différents coloris. Moi, je l'ai pris de ce coloris-là. Mais bon, vous l'avez en vert olive. Vous l'avez en noir. Et puis, par contre, je ne sais pas s'il existe en camo. Mais à vérifier, mais je pense que oui. Voilà. Au niveau donc de la sangle, donc on a quelque chose de très moelleux, de très large, qui ne fait absolument pas mal au trapèze lorsque vous portez même le sac un peu chargé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis comme je vous ai expliqué, avec la ceinture de maintien ventral, ça vous soulage un petit peu le port directement sur l'épaule. Et alors donc ici, ils ont leur système de passant molly, dans lequel vous pouvez rajouter des petites sacoches, si vous désirez, supplémentaires dans la configuration de votre sac. Ces sacoches vous permettent donc de pouvoir y mettre des téléphones ou des choses comme ça, ou un GPS, voilà, si vous désirez rajouter des petits appareils électroniques là-dessus. Ça se fait d'un côté comme de l'autre, hein, puisqu'en fait, le sac peut se porter du côté droit ou du côté gauche sans aucun souci. Au niveau donc de la sangle, elle est maintenue par des systèmes... comme ça là, donc ils sont très 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 bien, hein, de bonne fabrication, il n'y a pas de souci dessus non plus, voilà, hein, ça verrouille bien comme vous avez pu entendre, il n'y a pas de problème de ce côté là. Et alors donc vous voyez, ça peut aller d'un côté comme de l'autre parce qu'en fait ça peut, ouais, ça tourne, et voilà. Donc la longueur est très correcte. Alors au niveau du serrage, c'est super facile. En fait, il suffit juste de tirer pour pouvoir y accéder. Lorsque vous avez besoin de dégager, vous basculez vers l'avant et ça dégage un petit peu la sangle. Donc il n'y a aucun problème aussi. Ça se règle très très bien selon votre morphologie. Vous voyez, vu ma morphologie moi, donc il n'y a aucun problème. Ça passe très bien dessus. Ainsi que pour la sangle ventrale qui maintient donc le sac à l'arrière. Il n'y a aucun souci aussi, il y a largement de la longueur pour pouvoir faire le tour de mon ventre. On a voilà, un touriste qui passe, comme dit Jean-Luc. On a donc ici une grosse poignée de prise en main, voilà, qui est très large, bien renforcée. Voilà, donc c'est du solide, hein, vous pouvez tirer le sac dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est pour une prise plus facile, si jamais vous voulez dégainer, enfin retirer les sangles et juste porter comme un cartable la sacoche, vous pouvez aussi le faire, ce qui lui apporte un côté plus urbain dans sa configuration pour pouvoir le porter pour aller au boulot lors d'une réunion ou des choses comme ça, chose que j'ai faite tout le long de la semaine, il n'y a aucun souci. Ça fait déjà donc une semaine que je l'ai utilisé tous les jours, je l'ai chargé avec différents systèmes, là elle est encore chargée en version en boulot, mais bon, en version ville bien sûr, je vais retirer une bonne partie des ustensiles que j'ai à l'intérieur, tablette, ainsi de suite, voilà, je vais juste garder... la trousse trauma que j'ai à l'intérieur, puisque je suis en moto, comme vous pouvez le voir. Donc j'emporte avec moi une trousse trauma. Et puis ma push-tech, voilà, dans laquelle je transporte tout ce qui est chargeur, câble, enfin ainsi de suite. Voilà, donc c'était mon quai EDC pour la présentation de la sacoche courrier, qu'ils appellent, donc Helicontech courrier médium. Voilà, en version... comme ça là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Merci bien, au revoir.